من المتوقع إدخال اليوم يعني 300 حوالي 300 شاحنة. On attend environ 300 camions aujourd'hui. Pendant la guerre, environ 100 camions passaient par ici. Aujourd'hui, il y a des progrès en termes de nombre de camions, c'est mieux. Mais jusqu'à maintenant, Israël a interdit l'entrée de ciment et de matériaux de construction à Gaza. La situation s'est un peu améliorée après le cessez-le-feu. Il y a davantage de camions, mais pas les marchandises nécessaires. Des produits qui étaient interdits pendant la guerre, comme les boissons et les habits, ont été autorisés après le cessez-le-feu. Mais pour ce qui est des choses dont les habitants de la bande de Gaza ont besoin, comme les matériaux de construction, rien n'a traversé la frontière. Je n'ai pas l'impression d'être humaine. Nous attendons de l'aide car la guerre vient de se terminer. Vous voyez les souffrances que nous venons de traverser. La moindre des choses, c'est qu'ils ouvrent les points de passage. Et je crois que cela faisait partie de l'accord de cessez-le-feu.